Salut à tous, hola à tous, je suis Francis du canal francisbling.com. Je suis Francis de la chaîne francisbling.com. Hoje decidi apresentar-vos uma pequena aula sobre la liaison, o facto de haver uma ligação entre as palavras em francês, que é uma das causas de grandes dúvidas quando se tenta falar em francês ou se tenta perceber um francês a falar, que dá um bocado a sensação de estarem a falar muito rápido. E eu vou explicar-vos aqui as principais regras. Há de haver casos que não estão aqui explicados, mas vou explicar-vos os casos mais frequentes. Há três hipóteses. Ou a ligação é obrigatória, ou a ligação é proibida, ou então é facultativa, dependendo dos casos. A ligação, para já, faz-se normalmente, não é sempre, mas normalmente, quando uma palavra tem uma consoante muda no final e a palavra seguinte começa com uma vogal. Essa consoante muda do final da primeira palavra vai-se ler ligada à vogal da palavra seguinte. Vamos ver então. Isto tudo é para melhorar então a fluência do francês, mas também para começarem a entender melhor o francês falado. Alors, on y va! Antes de começarmos, relembro que podem subscrever o nosso canal para receber os avisos dos próximos vídeos. E se ficarem até ao final do vídeo, vão ter um pequeno bónus no fim. Então, boa visualização! Alors d'abord, on a les liaisons obligatoires. On a plusieurs cas. Le premier cas, c'est entre un déterminant, article, possessif, démonstratif ou autre, et un nom. Par exemple, un avion. On ne dit pas un avion, on dit un avion. On prononce le N et le A. Un avion. Trois enfants. Quand on dit un, deux, trois, on ne dit jamais la dernière consonne. Le un, on ne dit pas un, on dit un. Le trois, on ne dit pas trois, on dit trois. Mais avec le mot suivant, s'il commence avec une voyelle, on prononce la dernière consonne de trois, c'est un S, et on dit trois enfants. Trois enfants. Un autre exemple, sept escaliers. Sept escaliers. C'est un avion. Trois enfants, c'est três crianças. Et sept escaliers est esta escada. Un autre cas, c'est entre le pronom et le verbe. Le pronom personnel et le verbe. Alors, par exemple, on a « nous avons mangé »,« avons », c'est le verbe conjugué, « nous avons mangé », c'est l'auxiliaire qui est conjugué, avec la personne, le pronom personnel, « nous avons mangé ». Un autre exemple, « ils ont travaillé ». On ne dit pas « ils ont travaillé », on dit « ils ont travaillé ». Et « il est fatigué ». On fait aussi la liaison « il est fatigué ». « Nous avons mangé »,« nós comemos ». « Ils ont travaillé »,« eles trabalharam ». « Il est fatigué », »,« ele está cansado ». Un autre cas, c'est entre un adjectif et un nom. Par exemple, des jeunes enfants. Des jeunes enfants. Quand on dit des jeunes, on ne prononce pas le S. On dit des jeunes. Mais on dit des jeunes enfants. Un gros orage. Un gros orage. On ne dit pas un gros orage,
on dit un gros orage. L'adjectif et le nom. Et un autre exemple, le prochain épisode. Le prochain épisode. On ne dit pas le prochain épisode. Le prochain épisode, non. C'est le prochain épisode. Et attention qu'ici, quand on dit, quand on fait la liaison de prochain et épisode, on doit changer la prononciation, cette prononciation. On dit le prochain épisode. On dit prochain, mais quand on fait la liaison du N avec la voyelle suivante, ces deux voyelles restent au fond séparées. On dit prochain épisode. Alors ici, c'est des jeunes enfants. Jovens crianças. Un gros orage. C'est uma grande trovoada. Uma grande tempestade, uma grande trovoada. Et le prochain épisode. Au prochain épisode. Ensuite, on a encore des liaisons obligatoires, par exemple, avec les noms composés. Par exemple, les États-Unis. Les États-Unis. C'est un nom composé. Il y en a peu qui... avec ce cas-là, mais c'est l'exemple très connu. Les États-Unis. Un autre exemple, un autre cas d'ailleurs, c'est entre une préposition ou un adverbe et un nom. Par exemple, en avril, on fait la liaison, chez eux, je vais dîner chez eux. On fait la liaison chez eux et dans un mois. Dans un mois. Alors, en avril, c'est en avril. En avril. Chez eux, c'est par exemple en casa deles. Vou jantar à casa deles. Né? Je vais dîner chez eux. Et l'autre exemple, dans un mois. D'aqui a mês, por exemplo. Un autre cas, c'est dans des expressions toutes faites. Par exemple, plus ou moins, on fait la liaison de plus et ou, plus ou moins, et quer dizer mais ou menos. Plus ou moins. Une autre expression toute faite, c'est-à-dire. L'expression c'est-à-dire, ça veut dire, c'est pour expliquer quelque chose. En português seria, ou seja, a expressão ou seja, é para dar mais uma explicação sobre qualquer coisa. Uma explicação, uma informação suplementar sobre alguma coisa. C'est-à-dire. Et on fait la liaison. C'est-à-dire. Un autre exemple, c'est à tout à l'heure. Até logo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Un autre cas, c'est entre le pronom inversé et le verbe. On l'utilise surtout dans les questions, mais aussi dans l'exclamation, comme on voit ici. On a par exemple l'expression « allons-y ». « Allons-y ». C'est le verbe « aller » à la première personne du pluriel, « nous », mais à l'impératif. On dit « allons » et avec le pronom ensuite, le « y » qui indique un lieu, on dit « allons-y ». On fait la liaison. « Allons-y ».
Vamos. Vamos lá. Allons-y. Une expression qui est très utilisée en français, c'est, par exemple, on est à table et on demande « Est-ce que je peux prendre quelque chose ?» Et l'autre dit « Prends-en. Sers-toi, prends-en. Serve-te. C'est avantage. Pegue. Serve-te. » C'est l'expression « Prends-en. » Quand on dit « Prends », on ne prononce ni le D, ni le S. Mais dans l'expression « prends-en », on prononce la dernière consonne avec la première voyelle, dans ce cas, du pronom. « Prends-en ». Tom, certes, « prends-en ». Un autre exemple, c'est « qu'ont-ils dit ?» ou « qu'est-ce qu'ils disent ?» Quand il dit, c'est le pronom est inversé avec le verbe. On pourrait dire ils ont dit quoi. Ici, ce serait le pronom plus le verbe pour faire formuler une question dans l'ordre normal. Ils ont dit quoi. Mais on peut dire quand il dit, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disaient ok. Ils ont dit quoi? Ils disaient ok. Quand il dit, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais nous entendons cette formulation com o pronom invertido com o verbo, como os franceses. Mas em francês há essas duas formas de fazer uma pergunta. E aqui nesta com a inversão do pronom com o verbo fazemos a ligação com o pronom. O verbo está antes e o pronom a seguir fazemos a ligação. Quand il dit, maintenant on va voir les liaisons facultatives. Quand est-ce qu'elles se font? Normalement, c'est pour le registre formel. Ou quand on lit un livre, on les fait plus souvent. Fazem mais quando está a ler um documento, um livro, o que for, mas sobretudo no registro. Fazem surtout no registro formal, falar em registro formal. Alors, un premier cas, c'est après le verbe être et avoir. Par exemple, elles sont arrivées. Ici, elles sont arrivées, cet exemple, elles sont arrivées, on peut dire elles sont arrivées, mais très souvent, même sans que ce soit dans le registre formel, on dit naturellement elles sont arrivées, mais on peut dire elles sont arrivées, il n'y a pas de problème. Mais, un autre exemple, nous avons envoyé. On peut dire nous avons envoyé, ce n'est pas faux, on peut le dire, mais on peut dire aussi nous avons envoyé. Ici c'était le cas qu'on avait vu avant, le pronom personnel et le verbe « nous avons ». Et ici, c'est le cas du verbe « être hein, » et « avoir », dans ce cas, avant le participe passé. « Nous avons envoyé » ou « elles sont arrivées ». On fait la liaison. Et le troisième exemple, vous avez un collègue musicien. Ici, vous avez un collègue musicien. On fait les deux liaisons. Comme ici, nous avons envoyé. Vous avez un collègue musicien. Vous avez un collègue musicien. On peut dire vous avez un collègue musicien. On peut le dire. Mais c'est très fréquent de dire « vous avez un collègue musicien ». Là, j'exagère un petit peu, pour exagérer un cas, pour sauver bien, mais naturellement, ce que vous pouvez me dire est « vous avez un collègue musicien ?» C'est avec les deux liaisons. Il y a un cas particulier, quand c'est la deuxième personne du singulier, on ne le fait pas. Par exemple, tu es inscrit, on ne dit pas tu es inscrit. Et tu es inscrit au concours. Ici,
on ne le fait pas. Et tu as envie d'aller au cinéma. Tu as envie d'aller au cinéma. Tu as envie d'aller au cinéma. On ne dit pas tu as envie. Non. C'est tu as envie d'aller au cinéma. Dans le cas de la deuxième personne du singulier, on ne fait pas la liaison entre le verbe et ce qui suit. Un autre cas, c'est avec les adverbes. Après, encore, complètement, ce sont les trois adverbes que j'ai pris ici, il y en a d'autres. Mais ceux-là sont très fréquents. Donc, j'ai mis ici dans l'exemple. Le premier exemple, après avoir mangé. On peut dire après avoir mangé, mais on dit le plus souvent après avoir mangé. Pas encore, on dit pas encore, pas de problème. On dit pas encore, in the now, pas encore, mais on peut dire aussi pas encore, pas encore. In the now. Après avoir mangé, ou après avoir mangé, c'est depois de ter comido. Pas encore, c'est in the now. Et le dernier exemple, c'est complètement absurde. On peut dire c'est complètement absurde, sans la liaison, mais on peut dire aussi c'est complètement absurde, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. On peut faire la liaison ou pas. Ça veut dire en portugais, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Ou c'est complètement absurde. On peut dire des deux façons. No final do vídeo vão ter um pequeno bónus que tem exatamente a ver com esta última parte, liaison interdite. Entretanto, relembro que podem sempre pôr nos comentários sugestões de temas que queiram ver nos próximos vídeos. Maintenant, les liaisons interdites. Dans ces cas-là, on ne doit pas faire la liaison. Par exemple, entre un nom et un adjectif. Avant, on avait vu entre un adjectif et un nom. Maintenant, c'est entre un nom et un adjectif, on ne doit pas faire. Par exemple, un temps extraordinaire. Un temps extraordinaire, temps termine avec un S, mais avec l'adjectif ensuite, on ne doit jamais prononcer la liaison. Donc, interdit. Un temps extraordinaire. On ne dit pas un temps extraordinaire. Non. C'est un temps extraordinaire. Un tempo extraordinario. Fora do comum. Un tempo fora do comum. Un temps extraordinaire. Un courrier urgent. Un courrier urgent. On ne dit pas un courrier urgent. Non. Le R de courrier n'est pas prononcé. ER, ça fait le son E. Mais avec un adjectif après, on ne fait jamais la liaison. Un courrier urgent. Ici, on ne fait pas la, pardon, on ne fait pas la liaison. Un autre cas. Après les mots et, selon, sinon, on ne fait pas la liaison. Par exemple, un garçon et une fille. Et se termine avec un T, avec une consonne, et une commence par une voyelle. Mais après et, il n'y a jamais de liaison. Un garçon et une fille. On ne dit pas un garçon est une fille. Sinon, si on dit un garçon est une fille, on dirait on dirait un rapage et un marapaliga. Un garçon, quand on dit un garçon est une fille, ici, c'est le verbe être
et on fait la liaison. Mais avec et une, pas de liaison. Et un garçon et une fille, il y a une liaison, mais il n'y a pas de liaison, pardon. Un garçon et une fille, jamais de liaison avec et. Ok? Si on fait la liaison, on dirait qu'on dit presque se dit on repasse un repéril. Il y a qui un repas et un repéril. A ligação entre quando é o verbo ser, é uma, faz-se a ligação, e uma nunca se faz. Un garçon et une fille. Un autre exemple avec le mot selon. Quer dizer segundo. Dans cet exemple, selon elle. Selon termine avec une consonne, on ne fait pas la liaison. Selon, le mot selon ne fait jamais la liaison avec le mot suivant. Selon est segundo. Aqui, neste caso, é segundo ela. Segundo ela, selon elle. Un autre exemple. Ne fais pas ça, sinon il s'en va. Non faças isso, sinon il va s'embora. Sinon, est-ce non? Et sinon, termine avec une consonne, mais on ne fait jamais la liaison avec le mot suivant. Sinon, elle s'en va. Et sinon, il s'en va. Sinon, il s'en va, non. On dit, sinon, il s'en va. Un autre cas, c'est après le verbe être et avoir, comme auxiliaire, mais à la deuxième personne du singulier, c'est l'exception qu'on avait déjà vue avant, là, on ne fait jamais. C'est, par exemple, tu as invité des amis. Convidaste amigos. Tu as invité des amis. Ah, c'est le verbe être, c'est le verbe avoir d'ailleurs. Le verbe avoir qui se termine avec un S, on ne fait jamais la liaison. Tu as invité des amis. On ne dit pas tu as invité, non. On dit tu as invité des amis. On ne fait pas la liaison parce que c'est la deuxième personne du singulier. Et maintenant, les derniers cas de liaison interdite, c'est après vraiment, combien, comment ou quand. Ici, alors maintenant, les derniers cas de liaison interdite, après vraiment, combien, comment, quand. Alors, premier exemple, c'est vraiment intéressant. On ne dit pas c'est vraiment intéressant. Non, c'est vraiment intéressant. On ne fait pas la liaison. C'est vraiment intéressant. Est realmente interessante. Est mesmo interessante. C'est vraiment intéressant. Après combien, par exemple, combien en voulez-vous? Combien en voulez-vous? Quantos querem, por exemplo? Combien en voulez-vous? Ici, la liaison ne se fait pas. Après combien, on ne fait pas la liaison. Combien en voulez-vous? Un autre exemple. Comment il a fait pour sortir? Comment il a fait pour sortir? Comment est-ce qu'il fait pour sortir? Comment il a fait pour sortir? On ne dit pas comment il a fait. On dit comment il a fait. Liaison interdite. Comment il a fait pour sortir? Ou on peut dire aussi comment a-t-il fait pour sortir? Avec le pronom inversé, le pronom sujet inversé avec le verbe, quand on met le pronom après le verbe,
On peut dire comment a-t-il fait pour sortir. On ne dit pas comment a-t-il fait. Mais comment a-t-il fait pour sortir. Donc, liaison interdite. Et quand est-il arrivé? Après quand, on ne fait pas la liaison. On ne dit pas quand est-il. Quand est-il arrivé? Non. On dit quand est-il arrivé? Quand est-il arrivé? Quand avec l'inversion du sujet. Quand est-il arrivé? Il y a ici une exception avec comment. C'est dans l'expression comment allez, comment allez-vous, comment allez-vous. Ici, dans cette expression, on fait la liaison. Comment allez-vous? Et qui est unique et chassant com a palavra comment em que se faz a ligação. Senão nunca se faz. Só nesta expressão é que se faz. Comment allez-vous? Como é que está? Como é que vai? Comment allez-vous? É a única, única expressão em que se faz mesmo a ligação. Outro caso é entre le nom sujet et le verbe. Le nom sujet peut être un nom propre ou un nom commun. Par exemple, le nom Vincent et avec le verbe étudier, par exemple, Vincent étudie la leçon. Vincent étudie la leçon, on ne dit pas Vincent t'étudie, non. Vincent, ça termine avec une consonne et on ne fait pas la liaison. Vincent étudie la leçon. Ou Vincent studia a lição. Vincent étudie la leçon. Un autre exemple. Les élèves arrivent bientôt. Les élèves arrivent bientôt. Entre le nom sujet élève et le verbe arrive, on ne fait pas la liaison. Les élèves arrivent. On ne dit pas les élèves arrivent, non. Et les élèves arrivent bientôt. Et un dernier cas, c'est le cas les plus embêtants du français, qui sont les plus peut-être les plus difficiles. C'est les mots qui commencent avec un H aspiré. En français, les mots qui commencent avec un H, il y a des mots qui ont un H aspiré, qui ne permettent pas de faire la liaison. On ne peut pas faire de liaison avec un H aspiré. Et il y a d'autres mots qui commencent avec un H, dit muet, ou un gars mudo, qui permet de faire la liaison. On spot fazer ligação. Et avec un H aspiré, ou un gars chamado aspirado, non se peut faire la ligation. C'est impossible de faire la ligation. Alors, par exemple, avec le mot haricot, ça commence par un H aspiré. Là, on ne fait jamais de liaison. On ne dit pas des haricots. Non, on dit des haricots. Des haricots. Liaison interdite. Un héros. Des haricots, c'est feijões. Haricots et feijão. Feijões, neste caso. Des haricots. Un héros. Héros, c'est herói. Un héros, on ne dit pas un héros. Ou des zéros. Ça se dit pas. On dit un héros. Liaison interdite. Et voilà, la leçon est finie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce pour référencer la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge à
droite. Et je vous offre une liste assez complète des mots commençant par un H aspiré. Cette liste vous permet de savoir quels sont les mots où vous ne pouvez pas faire la liaison. Les mots qui commencent par un H aspiré. La liste est séparée par thématique pour qu'elle soit plus facile à mémoriser. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous pour recevoir cette liste et vous recevrez aussi le guide gratuit pour apprendre le français tout seul. Alors, à la prochaine vidéo !